Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et petite vidéo du dimanche en mode pack opening, mais pas que, parce que j'ai une autre petite chose à vous dire. Tout d'abord, j'ai vite fait à vous présenter l'équipe de la semaine durant la période Fuitmas, donc il y a des super packs, des packs intéressants tous les jours, des nouvelles compétitions, etc. Et tous les jours, tous les matins, allez sur l'appli web, les amis, car il y a des cadeaux quotidiens. Personnellement, j'y suis allé aujourd'hui et j'ai eu 2000 crédits, donc bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, on prend. Donc, l'équipe de la semaine, les amis, c'est pas la meilleure, mais elle est pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même des joueurs intéressants, notamment Ticharito, If, Di Maria version Sif, Konoplyanka version Sif, Koulibaly qui a des stats de ouf, c'est le cas de le dire, Matoumels, Philippe Lam, et sur le banc de touche, il y a notamment un petit intéressant, un petit Moussakio, pourquoi pas, qui a quand même une belle petite carte. Voilà, donc on fait le petit bilan en tout cas de cette équipe de la semaine qui est intéressante, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros joueurs. Mais un petit Philippe Lam, qui est le meilleur joueur, ça peut tomber assez facilement dans les packs. Autre chose que j'ai à vous dire, les amis, vous verrez dans la description, il y aura un lien Twitter. Et en gros, je vais lancer une série contre les abonnés, une série de Pink Slips. Donc il y aura un système de victoire-défaite, etc. Donc je ferai un petit compteur par rapport aux abonnés. Voilà, 10 matchs, voir un peu ce que je fais contre les abonnés. Et en gros, chaque match contre un abonné, s'il me bat, il remportera des crédits. On va commencer par 50k, ça va faire 50k, 100k, etc. Donc en gros, pour participer, les amis, c'est très très simple. Il suffit de me suivre sur Twitter et de retweeter le tweet qui sera dans la description de la vidéo. Et en gros, bah quasiment une fois par semaine, je vous ferai une petite vidéo. Pink Slip vs abonné, avec 2-3 matchs, je pense, dans l'épisode. Et je jouerai contre les abonnés. Si les abonnés me battent, les amis, bah, il gagnera 50 crédits. S'il perd, bah, voilà, il aura rien à me donner. Vous pouvez participer que vous soyez sur Xbox One ou PS4. C'est les deux seules consoles. Si vous êtes sur 3-6, malheureusement, je peux pas. Sur PS3, je peux pas. Et sur PC non plus. En gros, tous ceux qui sont sur Xbox One et PS4, vous pouvez participer, les amis. Il suffit juste de retweet le lien et de me suivre sur Twitter, tout simplement. Et en gros, chaque semaine, de temps en temps, je ferai un petit tirage au sort. Je prendrai tout le temps, sur le même tweet, tout le temps les personnes. J'en prendrai 2 ou 3 pour jouer contre moi. Tout simplement, ça c'est plutôt intéressant. Un peu de jouer contre mes abonnés, parce que j'en ai quand même beaucoup qui me demandent tous les jours, je peux faire un match. Alors, par le système de Pink Slip, le Pink Slip c'est toujours intéressant. Si je gagne, eh ben je gagne rien. Voilà, si je perds, je donne 50, 100 000 ou voire même plus de crédits à l'adversaire. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, un truc assez plaisant et voilà, qui vous permet de jouer contre mes abonnés et vous gagnez un peu de crédit si vous me battez. Allez les amis, c'est parti, on va ouvrir aujourd'hui juste 10 packs à 25 000 crédits. C'est des joueurs tous, enfin, tout est hors rare, donc c'est intéressant. Un petit uniforme et ça serait franchement parfait. Donc les amis, n'hésitez pas, comme je viens de me suivre sur Twitter et retweeter le lien dans la description. Le premier pack, on commence par Perrin, ouais, un petit défenseur d'Arsenal. Qu'est-ce que je dis, waouh, des défenseurs de Saint-Etienne. Pas grand chose, hein, pas vraiment grand chose de, ouais, intéressant. Du coup, hop, le reste, on va discerner. Objectif du jour, bah, c'est packer un petit uniforme, ça pourrait être intéressant. On est toujours sur PS4, donc bah, les légendes, elles tomberont jamais, hein, ça c'est sûr et certain. Second pack, les amis, MOC, Coutinho, non, c'est Tyson. Ok, on espère des fois tomber sur un Coutinho, qui est, je crois, le MOC brésilien qui coûte le plus cher. Donc, à voir. Le reste, bon, pas grand chose, pas très intéressant. On va discam. Donc, aujourd'hui, petite vidéo parce qu'il n'y aura certainement pas de live. Parce que j'ai un repas de famille, etc. Enfin, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc, s'il y en a un, c'est tard le soir. Enfin, avant le match de Marseille, c'est tout ce que je sais. Mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait de live aujourd'hui, dimanche. Ce qui est rare, parce que dans le but, il y a toujours un live. Mais malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Donc, en gros, je fais une petite vidéo pack opening, hein, moins de 10 minutes. Je vous ai expliqué les choses les plus intéressantes, le Pink Slip, et puis le petit pack opening. Voilà, on espère être rempli de cadeaux, hein, de la part de FUT. Un petit informe, buteur, Daniel Sturridge, c'est pas mal. Ouh, Chicharito, voilà les amis, l'informe qui fait plaisir, 81 de général pour Chicharito. Et de côté, peut-être dans les 60 000, 100 000, ouais, 50 000, ouais, à peu près, donc il a quand même pas mal baissé, hein. Ouais, bah ça fait plaisir les amis, voilà, un informe, on ouvre des packs, on veut choper un informe, c'est bien le cas. Le petit Javier Hernandez, ouais, qui est très très bon. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc parfait, avec un petit storage. Mais écoutez, que demander de plus, les amis, hein. Franchement, c'est parfait. Yacine Brahimi, Casco, ok. On conserve. Écoutez, on est très très bien. On est très très bien pour le moment. Quoi qu'il arrive, même si on pack de la merde, ce n'est pas grave. On aura packé Chicharito. Allez, il nous reste 5 packs. Après celui-ci, on est très bien parti. Un joueur à 83, plus un inform. Second pack, Giorgio Chiellini. Non, c'est Bonucci. Avec Gaëtan, ouais, c'est intéressant. Bon, peut-être que les deux peuvent se vendre. On verra bien ça. Le reste, on discarde. Mais écoutez, je suis content.
toujours autant de chance, ça fait plaisir. C'est pas le plus gros joueur, mais c'est un inform. Moi, quand je joue des packs, c'est pour choper des cartes particulières. Les cartes inform, c'est Socrates. Voilà, ça c'est rodé à 15 km. Quand vous voyez défenseur grec, à part Papadopoulos machin là, je crois qu'il y a que Socrates. Donc c'est pas très compliqué à deviner. Un joueur à 83, bah écoute, on est pas mal pour le moment, il n'y a rien à dire. On discarde, il en reste 3 packs ou 4. 4 packs, je crois, ouais. 4 packs à 25k. C'est parti, les amis. Allez, un autre inform. Comme on dit, jamais 102. Défense. Gardien, mais c'est jamais le bon de toute façon. Hein. Moi, les gardiens comme Casillas et Doria, je ne les pack jamais. Par contre, les Moya, les Valdez, etc. Alors là, ils coulent à flot. C'est malheureusement dommage. Allez, on discarde, les amis. Il nous reste quoi? 3 petits packs. Vidéo assez courte aujourd'hui, à hein, moins de 10 minutes. C'est le rythme intéressant pour un pack opening. C'est simplement rapide. Hop, intense. Avec du lourd, je l'espère. Stickenburg. Non. C'est Silesen. Je sais même pas s'il est hors rare cette année, Stickenburg. Mathia Perrin et Red qui était une forme, si je dis pas de conneries, la semaine passée. C'est pas grave. Bon, petit Silesen. Franchement, on n'est pas à plaindre. C'est le cas de le dire. Un petit une forme, un Daniel Sturridge. Que demander de plus? Avant, dernier pack, MDC, Parejo? Non, c'est Fuego. Fuego avec Vidal, c'est pas le bon. Montero et Brooks, ouais, bon, pas intéressant pour le moment. Va-t-on rester sur meilleur joueur Socrates et Sturridge ou allons avoir un petit joueur à 84. On va voir ça, les amis. Dernier pack de cette petite vidéo MDC. Bah voilà, Daniel Drossi, encore un joueur à 83. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Franchement, on n'est pas à plein, les amis. Comme vous avez pu voir, on a packé un informe, monsieur Daniel Sturridge. Et un petit Socrates. Bon les amis, j'espère en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à retweeter le lien si vous voulez participer au Pink Slip. Le lien qui restera tout le temps. Quoi. En gros, je vais pas en faire un à chaque fois pour le Pink Slip. Tous ceux qui auront RT pendant la série qui va durer peut-être 15-20 épisodes, on ne sait pas. Hein, et ben en gros, ce sera automatiquement grâce à ce tweet. Donc mémorisez-le bien. Et suivez-moi sur Twitter. Bon les amis, passez une bonne fin de soirée. Bonne fin de week-end. Bref, tranquille, c'est les vacances. Donc, faites ce que vous voulez, profitez-en. Ne geekez pas trop. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.